C'est dans la précipitation que je rejoins cette vague de mobilisation, afin de sauver la minoterie Narbonne. En effet, cela fait pas moins de 5 jours que la commune Hussein Dey a relancé et validé la mise en gravat de cet inestimable héritage architectural colonial, arborant une empreinte architecturale néo-mauresque mêlée aux courbes industrielles de ce témoin datant de 1864. J'appelle les autorités à bien vouloir freiner ces pelleteuses et bulldozers qui se rapprochent dangereusement des pilastres néo-mauresques. Pour regarder ce patrimoine d'un œil qui vous permet de voir en lui ce témoin, cette beauté et un morceau d'histoire. La minoterie Narbonne n'est malheureusement pas la première, encore moins la dernière. Mais elle a eu le privilège de bénéficier d'une plus vaste conscience collective que les autres vestiges, tout aussi majestueux, mais dont je suis seul à parler. Alors, mobilisons-nous et sauvons-la.